Good Morning Business. Le débat. Oui, parce que le marché, avant d'ouvrir à 9h, il regarde le bien débat sûr, de Daniel pour savoir ce qu'il doit faire. Évidemment, le pouls du marché, c'est à 7h10 sur BFM Business. Cette phrase de Bruno Le Maire dans Les Échos ce matin, l'État utilisera tous les moyens à sa disposition pour préserver les activités stratégiques d'Atos. Est-ce que c'est son rôle, Nicolas? Alors, le rôle d'un ministre, c'est de parler. Donc, oui, non, mais je prends un pari. C'est une définition lourde qui vient d'être dite. Je ne sais pas comment les marchés vont interpréter ça, mais j'ai la conviction, c'est lourd quand même. J'ai la conviction qu'il ne faut pas du tout y voir là-dedans. Ça y est, l'État va mettre au pot, l'État va sauver, l'État pompier, l'État va aller nationaliser. À mon avis, ce n'est pas ce qui va se passer. Bercy a pris une position hyper ferme. On est le 23 octobre dernier, on est en plein examen de la loi de finances 2024. Trois jours avant, il y a deux amendements qui sont déposés. L'un pour nationaliser temporairement à l'activité BDS, comme on dit, l'activité la plus sensible, la cybersécurité. Et Airbus, a priori. Voilà, la cybersécurité, les calculs intensifs. Et il y avait un amendement LR qui, lui, voulait une nationalisation temporaire chaque fois, mais totale. Je pense que là, la formule de Bruno Le Maire dans Les Échos ce matin, c'est pour dissuader effectivement les éventuels intérêts étrangers. C'est un dossier d'une super grande complexité, et puis il faut vraiment avoir le nez dedans, comme Mathieu Pechberti, pour en décortiquer tous les éléments. Il y a visiblement déjà des appétits étrangers qui ont été écartés. Je pense que Bruno Le Maire fait un peu d'agiprop pour que on reste bien à l'écart d'Airbus, qui est quand même bien engagé désormais. Thalès, je crois qu'on n'y compte plus, mais Airbus, effectivement, qui est bien engagé pour l'activité la plus stratégique. Il y a une activité stratégique. C'est vrai que Atos fournit la marine, fournit le secteur du nucléaire, fournit l'armée de l'air. Il y a 10 000 emplois en France, ça peut, mais à mon avis, j'y vois absolument pas l'idée qu'on va revivre la scène Orpea, qu'on va revivre la scène Alstom ou revivre la scène PSA. Quand vous prenez l'histoire, elle suit pour l'instant, toutes les forces de marché traditionnelles sont à l'œuvre. Il y a une négociation qui est en cours avec Airbus, une négociation plus compliquée visiblement avec Daniel Kretinsky pour les parties infogérance. Il se trouve que là, un mandataire ad hoc va être nommé. On parle de la fameuse Hélène Bourboulou. Sans doute. Spécialité en dossier compliqué. Ah ben là, et les restructurations de dette, quand tu as traité des dossiers comme Europarcorp ou alors Orpea, ça durcit le cuir, on va dire. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Et ce sont des pratiques de marché traditionnelles, parce que ça va un peu figer la situation, ça va donner du temps à Airbus, du temps à Kretinsky, et aussi au pool des 22 banques qui portent la moitié quand même ça de la dette. Ça ressemble au dossier casino. Hein. Une fois qu'on fait rentrer l'administrateur, ça laisse du temps, et oui, on peut négocier le démantèlement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les mécanismes de marché qui sont à l'œuvre. Bruno Le Maire, objectivement, il n'est pas en train de nous annoncer une nationalisation d'Atos. Donc, est-ce que c'est le rôle de l'État? Il dit juste l'État français regarde. Il y a des éléments stratégiques chez Atos. Est-ce que c'est le rôle de l'État de se faire entendre sur ce sujet? Pourquoi pas? Jean-Marc Daniel. Ah non, moi je vais faire juste d'emblée une citation que je fais assez régulièrement sur ces dossiers, qui est une citation de Jean-Baptiste C. Donc les auditeurs téléspectateurs y ont déjà eu droit, mais c'est tellement évident. Et donc Jean-Baptiste C écrit à propos de Napoléon d'ailleurs. Il est impossible qu'un gouvernement puisse, je ne dis pas se mêler utilement de l'industrie, mais éviter quand il s'en mêle de lui faire du mal. Et donc Jean-Baptiste s'est dit circuler, il n'y a rien à voir. Dans le dossier Atos, c'est l'industrie qui s'est fait du mal toute seule. Hein. Ah ben oui, mais ça, l'État n'a pas mis son nez. Oui. Hein. Ah, alors là, détrompez-vous, parce que l'État, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est que dans le portefeuille d'Atos, dans cette histoire compliquée, c'est quand même une entreprise qui fait 100 000 personnes, donc il y a beaucoup de gens qui sont derrière tout ça. Il y a les restes de bulles. Et donc ma génération a connu Bull, c'est le plan calcul, c'est l'État dans les années 60, c'est C2I, Honeywell, Bull. Oui, mais parce que Atos a racheté Bull à un moment donné, mais oui, une absolument. Petite partie des activités. Bon. Non, mais oui, j'entends bien, ça veut dire que l'État quand même, c'est je pense pas que Bull est gangréné Atos. Non, je dis pas que Bull a gangréné Atos. Il est capable de dire ça, Jean-Marc. Je pourrais le dire. Juste quand même, il y a eu des activités sur le nucléaire, les supercalculateurs, des activités stratégiques pour la France, même là-dessus, l'État ne doit rien dire. Absolument, oui. L'État, la seule chose qu'il doit faire, c'est sur ses activités stratégiques, passer des commandes pour, effectivement, et l'État, en l'occurrence, c'est plutôt l'armée, la délégation générale à l'armement, passer des commandes, vérifier, effectivement, dans un contrat avec l'entreprise, qu'une partie des secrets industriels sont véritablement préservés. Mais l'État n'a pas à se mêler de la vie de l'entreprise en tant que telle, de la structuration du capital, de la négociation de la dette, de la façon dont, effectivement, l'entreprise envisage son avenir. Concrètement, quand même, on voit bien que l'enjeu essentiel
actuelle, c'est moins en ce moment un enjeu industriel qu'un enjeu strictement financier. C'est le cash. C'est le cash. On a nommé à la tête M. Mustier et tout le monde dit bien que son profil, c'est plutôt quelqu'un qui est un profil de financier. Il a été à la tête d'une banque italienne, il a été à la Société Générale. On annonce effectivement qu'on va nommer quelqu'un pour restructurer la dette. Le véritable enjeu est un enjeu qui est strictement financier et qui est lié effectivement à, d'une part, l'évolution des taux d'intérêt et à une expansion de l'entreprise qui a été très rapide par acquisition externe et qui a été financée effectivement non pas par des fonds propres, non pas par des bénéfices, mais par l'appel à des prêts. Donc l'enjeu n'est pas celui que l'on met en avant. Ouais. L'enjeu est un prétexte de parler de stratégie, c'est de se mêler, encore une fois, je pense, de quelque chose où il y a 100 000 emplois, dont 10 000 en France, et donc c'est un enjeu qui est politique, mais pas stratégique. C'est quand même très mal engagé, hein, parce que l'activité en négociation avec Airbus, ce sera max 1,8 milliard. Il y a 3,6 milliards de dettes à rembourser d'ici fin 2025. Le titre perd 95% en 3 ans, quand même. Enfin, moins 29 hier, quand même très complexe. J'imagine pas que l'État va nationaliser Atos. Merci. Après, si je me suis trompé, j'admettrai. Merci. Vous allez voir, les marchés vont trembler à l'ouverture. Merci à tous les deux. Ah, surtout pour la formule, un ministre, c'est là pour parler. Hein.